Je m'appelle Ibrahima. J'ai grandi un pied en France et l'autre au Sénégal. En France, j'ai fait pas mal de petits boulots. Livreur de pizza, intérimaire et puis chauffeur de taxi. Et puis un jour, j'ai eu envie de retrouver mes racines, de monter un business au bled. Back home for Ibrahima is Dakar. Today, the capital of Senegal is experiencing a boom and attracting curious visitors, including many from France. Some French citizens with Senegalese origins have decided to return to their parents' home country. Goodbye, Nanterre, Traps, Les Mureaux. Hello, Dakar. For several years now, this generation has been traveling back and forth between France and Senegal. The COVID pandemic has spurred the trend. Merci, madame. Bon courage, hein. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ibrahima is continuing with his job as a first-rate taxi driver. Passenger comfort, punctuality, and safety are the three guiding principles of the company he owns, Salam Transport. After 6 years in business, he now owns the number one private bus company in Senegal. À l'intérieur, tout est en place, les bouteilles d'eau. Tout est en place, ouais, les bouteilles d'eau. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais. Là, on va aller le lendemain. Jinga, non, regarde. Allons-y. Situated on a former rubbish tip next to the motorway, Salam Transport now employs 20 people and has a fleet of 7 buses from China. The buses run between various cities across the country and Dakar. Là, depuis, il est propre, nettoyé. La climatisation, vous avez vérifié aussi? Exactement, ça marche. Et la Wi-Fi aussi, vous avez vérifié? Wi-Fi aussi, ouais. Les écrans télé? Les écrans télé. Par contre, il manque les bouteilles d'eau. Hein. Les bouteilles d'eau. Donc là, il faut les installer. On va leur donner les bouteilles d'eau en moins de temps. Quand j'étais petit, quand on venait en vacances avec ma mère, c'est vrai qu'on allait à Tamba, à plus de 500 km d'ici. Et c'était vraiment, vraiment éprouvant. Je me suis dit, on va être dans des conditions vraiment catastrophiques. Et je me suis dit, mais voilà, aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas voyager dans un confort digne de ce nom? On vit dans un pays où malheureusement on n'a pas les infrastructures adéquates pour pouvoir rallier toutes les régions du Sénégal. Il y a toujours eu des véhicules, mais ce qu'il n'y a pas eu, on va dire, c'est le mode, le style Salam Transport. On va dire on est les premiers à avoir amené ce concept dans le pays de la Teranga. To launch his startup, Ibrahima sold his Paris taxi license. He and a friend then put all their savings into this venture. Dakar, the new El Dorado of West Africa, has become the get-rich-quick city. Between 2014 and 2019, growth in Senegal reached over 6%. One quarter of the country's 17 million inhabitants live in the capital, a huge permanent construction site. Land and property prices are rising rapidly, and the exploitation of oil and gas wells in the coming year promise double-digit growth rates, attracting potential investors as if by magic. Salut Fatih, j'espère que tu vas bien, c'est Combat de Paris-Sénégal. Écoute, là je suis en route pour le Lac Rose, s'il te plaît dans 30 minutes, je vais pouvoir te montrer les images du terrain que tu m'avais demandé au Lac Rose. A tout de suite. Alors là j'ai appelé une cliente, elle veut faire un investissement parce que les terrains au Sénégal ça prend de la valeur très très rapidement. Et l'idée c'est que j'aille pour qu'elle puisse choisir si elle préfère le terrain d'angle ou celui du milieu. At 35, Kumba had a good job as a manager at a major French bank. But the young woman, who grew up in a council flat with 5 siblings, felt Africa calling her. So she took a sabbatical year, got in her little car, and set off for an adventure in Dakar.
She ended up founding her consulting company, Paris Senegal, for Franco-Senegalese people returning to the country. J'ai constaté depuis le Covid qu'il y a eu vraiment une accélération et un éveil des consciences où beaucoup veulent revenir au pays, beaucoup veulent s'installer, beaucoup veulent juste même investir. Hein. Il y a du potentiel ici. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont souvent eu des mauvaises expériences aussi. Ils ont été mal orientés. Et nous, ce qu'on doit faire, en tout cas moi, sur ce quoi je travaille, c'est de les accompagner en toute confiance et en sécurisant toutes leurs transactions en lien avec le Sénégal. Just 20 kilometers from the capital is Lake Redba, or the Pink Lake, a popular destination for investors. With a new motorway in the pipeline nearby, land prices are rising rapidly, and many construction sites are popping up in the area. Salam alaikum. Ça va, Omar? Tu vas bien? Ouais, bien. Fait chaud. On the lakeshore, Kumba is meeting Omar, an estate agent who arranges good deals for her and helps her to avoid scams. Super. Donc la cliente, elle est intéressée par le 9 et le 10. Et le 10, ouais. It's not uncommon for one piece of land to be sold to 3 or 4 different buyers. Salam alaikum, Fati. Tu vas bien? Donc comme convenu, on fait cette visio pour que tu puisses visualiser ta demande. Exactement, c'est le temps que je cherche, ouais. En tout cas, sache que c'est une grosse opportunité. En termes d'emplacement, on est au Lac Rose, c'est une zone touristique. Du coup, là, je vais mettre en face des terrains pour que tu puisses avoir la visibilité souhaitée. D'accord? Ensuite, pour le deuxième lot, c'est juste derrière ici. Ah, c'est le puits qui est derrière, d'accord. Voilà. Donc là, quand tu additionnes les deux, tu as 300 mètres carrés. Là, tu es vraiment dans ta maison, là. Voilà. À 50 mètres carrés près. Le puits, il est pas fonctionnel, le puits. Oui, il est fonctionnel. Après, sache que si tu en as un juste devant la maison, c'est un avantage. Je peux te laisser un délai de 7 jours. Mais au-delà des 7 jours, c'est premier venu et premier servi. C'est malheureusement, je ne peux pas dépasser 7 jours. Mais je ne sais pas, après, peut-être 7 jours, ça te va. Every week, Kumba visits her grandmother in Bikini, a poor district of Dakar. For Kumba, the trip also means going back to her roots in her childhood as she gets to eat Senegal's national dish, tibou dien. Hayo tanam. Hayo Kumba. Meye uni manan? Mburi yeunde. Atsel. Hayo ma hayo. Hayo Kumba. Ah. Ah. Ah la la. So kullo. Are jam. Salmin dema? Ajaji ma. Jam tan? Jam woni ron. Jam tan alhamdulillah. Min buri wallahi. Ko wan ma do ko eska tawi do en sebori to faraise to walla ko do buri welde faraise walla ko to buri welde faraise. Do Senegal buri wel. Ay mi mi. Eska do woni weli? Sénégal, mais des yidi Sénégal. Sénégal n'est huili. Garmi donc au Ligad. Puis nous avons des expériences hommes, mais de voilà, jinabom, mais de une affaire on émet les moussi seda, la famille. Jida et Fares, quand mais des Djanga seda seda. On passait de longues vacances ici avec mon père qui était gardien au musée de l'homme à Paris. À l'époque, on n'avait pas trop envie de venir, mais finalement, c'est notre force aujourd'hui. J'ai de très très bons souvenirs ici. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens ici, chaque semaine, ça me donne vraiment la force en fait, de surmonter tout le quotidien qui n'est pas évident au Sénégal. Waouh, mashallah, mais défidé. Mashallah. Madeleine Diano. Hey. Les didim.
Kumba, Ibrahima and others who have come back are almost always united by the same story. A father who emigrated to France, growing up in modest circumstances, a childhood in the suburbs of Paris, and parents who feel strongly rooted in Africa. Over time, Africa has also become home to this new generation. Aujourd'hui, je suis sénégalais, ça je pourrais pas le nier, je pourrais jamais le rejeter. J'ai vécu en France, j'ai grandi en France, ça aussi je pourrais jamais le rejeter. Donc c'est simplement aujourd'hui, moi je peux me considérer comme un enfant métis. Donc un enfant métis, il peut pas dire je préfère mon père blanc que ma mère noire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la même situation. En alliant les deux cultures, ça peut être beau. Aujourd'hui, c'est la même transport. C'est vrai que c'est dans le pays sénégalais, c'est vrai que ça tourne au Sénégal, mais ce qu'il y a autour de l'âme, on va dire, de Salam, il y a aussi une partie d'âme française. Parce qu'aujourd'hui, on a amené une rigueur, on a amené une discipline, on a amené une condition de travail qui se trouve qu'en Europe. Aujourd'hui, moi, j'ai décrit l'Afrique de la France dans les années 60, les années 50, quand avant, les Portugais commençaient à arriver, les Algériens, avec les bars, les Marocains, avec ce qu'on appelle les épiceries, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Tunisiens avec les boulangeries. Donc, en fait, pour moi, l'Afrique, c'est les années 50 d'avant. Et je pense que les jeunes comme nous commencent à prendre conscience qu'il est encore possible de pouvoir encore, d'une, réussir en Afrique et en même temps aussi aider à développer son propre pays. Bonjour Ousmane. Oui, déjà. Vous me livrez quelque chose pour quand? Pour plus tard, j'ai dit. C'est bon. Ouais. Idrissa Diabira works for a government agency that supports and supervises small and medium-sized companies in Senegal. Every day, new documents land on his desk from companies set up by those returning from France. La diaspora pour le Sénégal est la 15e des régions. Le Sénégal compte 14 régions. Et lorsque le président Macky Sall part de 15e région, c'est traduire le rôle, le poids, l'importance de la diaspora pour le Sénégal. Les membres de la diaspora, au travers ce qu'ils ont appris dans les pays d'accueil où ils sont nés, permettent de disposer d'acteurs peut-être encore plus entrepreneurs, avec l'âme aventurière, susceptibles d'aider le Sénégal dans la voie qu'il s'est fixée, à savoir la prospérité à l'horizon 2035. Ibrahima has 7 buses, a wife and 4 children, and is a respected man. He and his business partner and childhood friend, Idrissa, have many new ideas. This morning, his father, who still lives in France, has come to pay him a surprise visit. Mes enfants, je suis content de vous d'abord. Content, vous l'avez le baraka, la bénédiction. Vous êtes né en France, mais vous avez pensé vos arrière-parents, c'est-à-dire nos grands-parents. On connaît quoi? On marche à pied, le cheval et l'âne. C'est ça qu'on connaissait. Alors, c'est une grande fierté pour moi, parce que les enfants faits à l'étranger, surtout en France, on n'a pas la même éducation. Nous, on est grandi ici au pays, au Sénégal. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je sais, j'ai souffert, j'ai essayé tout. Je suis parti du Sénégal, j'étais là de 18 ans. 18 ans, j'ai quitté mon village au Sénégal oriental à Tambacounda. J'arrivais en France dans les années 71, que j'ai commencé à travailler comme un plongeur. Et à force, j'ai appris petit à petit le métier de cuisinier. Et à la fin, je suis devenu un chef de cuisinier. Moi, mon choix à la fin aujourd'hui, je demande à Allah encore de faire plus. Plus, c'est quoi? D'avoir des avions. D'avoir des avions, ils voyagent avec. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Hein? Ça, c'est, ça viendra, hein? On ne sait jamais. Hein? But moving to Africa is not always easy. For some, coming home doesn't end up being the dream they had envisaged. For 3 years, Malik ran a tailor shop and designer clothing boutique in Dakar. Ça va, c'est bon, c'est pas trop serré. Tu te sens bien là, dedans? Non, je sens pas, je suis allé. Ok, bah, tu vois une. Too much trouble with the authorities. Too much pressure. Too much loneliness.
After experiencing burnout, Malik packed his bags and moved back to the suburbs of Paris. Quand j'ai fait la boutique, en fait, j'ai eu beaucoup de retard. C'est dû aux travaux, aux mains d'œuvre, aux ouvriers, surtout. Ils sont dans des délais où tu te dis aujourd'hui ils sont là, demain ils sont pas là, ils commencent quelque chose inachevé ou c'est pas les bons matériaux qu'on va utiliser, qu'ils vont utiliser. Nous, on va faire une peinture, ça va tenir. Au Sénégal, tu fais une peinture, ça tient pas. Et il faut refaire les couches, il y a une peinture spéciale, tout ça. Tout ça, faut le connaître. Et je me démerdais tout seul dans le sens où j'allais à la rencontre de tout le monde sans savoir où j'allais en fait. Deux fois, si je recherchais un peintre, j'étais obligé d'aller sur Facebook pour regarder. Si je recherchais juste une serrure, je ne savais pas où y aller. Quand je suis arrivé, j'avais pas les codes. Je connaissais pas et il fallait du temps pour les comprendre. J'étais vraiment dans le burn-out et à ce moment-là, c'était une seule envie, c'était rentrer en France. Despite the difficulties, Kumba is pursuing her dream of a different life. Like many children of immigrants, some of whom already live in Senegal, some of whom are simply waiting for the right moment. Bonjour, bienvenue. Toi, attends, je pense que t'es Alma Sirweb. T'es venue t'installer? Ouais, j'essaye. Hein. Ça fait combien de temps? Un mois. Un mois? Je commence à avoir le mal du pays. Ah, t'as le mal du pays? Ouais, là, depuis le début de semaine, là, ça qu'est-ce va pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Intoxication alimentaire, la chaîne. Ma peau. Ouais. Ok, bienvenue, installe-toi où tu veux. Et je suis super contente que tu viennes. Voilà. Venue en vacances. Elle est vite. Ah ouais. Kumba organizes regular meetings through her service company, Paris Senegal. On the program at this upmarket hotel in the capital today, brunch and networking. L'objectif, c'est plus de proximité entre nous et pour nous, parce que c'est vrai que quand tu fais un événement, il y a 300 personnes, on ne peut pas parler aux 300 personnes. Échanger entre vous, il y a des opportunités de synergie incroyables. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Binta Edissé, je viens d'arriver il y a un mois. Moi je trouve en tout cas pour ma part que l'installation au Sénégal, on se prend un petit peu une claque je trouve parce qu'on n'est pas trop préparé. Finir en vacances et venir s'installer, ça n'a rien à voir. Voilà, on est confronté aux difficultés des locaux, coupure d'électricité, coupure d'eau. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quitté un confort qui est la France, mais c'est pas pour rien. J'espère que je vais rester un bon moment, hein, et voilà. Merci à vous. Bonjour, moi je m'appelle Mariam, je viens d'arriver il y a 2 jours. C'est réglé. Donc je m'installe tout doucement, je suis infirmière de base. Je m'installe d'abord et après je vais pas à pas. Levez la main si, comme moi, vous êtes passionné d'Afrique et que vous êtes convaincu que l'avenir est devant vous. Levez la main si, comme nous, vous êtes convaincus que l'union fait la force. On passe notre temps à être entouré de problèmes. Et nous, et c'est ça l'invitation que je vais vous faire aujourd'hui, soyons les solutionneurs, soyons les apporteurs de solutions à tous ces problèmes que l'on rencontre au quotidien et osez aller beaucoup plus loin que les limites qu'on veut nous fixer en Europe. For these young French Senegalese people, Africa is more interesting than France or Europe today. But there are also many young people in Senegal who are risking their lives to leave their country for their dream of living in Europe. Lassana, Ibrahima's cousin, was tempted by foreign shores and went out to sea a year ago. J'ai des amis qui sont passés par la mer. Je me suis dit dans ma tête, moi aussi, je vais passer par la mer, je vais essayer quoi, pour partir en Europe. Bah voilà, on est passé par des coxeurs. On a versé de l'argent, après on a pris le bateau pendant 5 jours. Après, on s'est perdu dans l'eau. On a fait 5 jours. Après, les marines nous ont attrapés, en fait. Ils nous ont ramenés aux prisons, après, ils nous ont renvoyés au Sénégal, en fait. Today, Lassana works at Salam Transport. Ibrahima wants to keep all of his employees, so he pays them a good wage. Vers 11h30 comme ça. Ah ok, bon, ça va. Le SMIC sénégalais est de 100 euros. On a essayé de doubler, parfois pour certains tripler ce SMIC-là. Donc à partir du moment où il touche 2 fois plus le SMIC sénégalais, je pense qu'il y a déjà une considération. Donc déjà, il se sent déjà valorisé et il sait qu'un endroit où il touche 2 fois le SMIC, on réfléchit à 2 fois
avant de pouvoir s'aventurer ailleurs. Ça, c'est un. Mais au-delà de ça, il y a d'autres avantages. C'est-à-dire qu'il y a des primes, il y a des vacances aussi, des congés payés. On se donne des primes chaque mois. Chaque fête qui se passe, on contribue avec eux aussi. En fait, c'est une famille. Le bien de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Donc, ses ressources humaines sont gâchées dans la mer, tristement. Et il y a beaucoup de femmes, de mamans qui pleurent encore leurs enfants. Et elles n'ont pas pu faire le deuil parce qu'on n'a pas retrouvé les corps. Et ça, ça résonne toujours quand on est un Africain. Je suis resté 23 ans en France, où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un beau parcours professionnel. Et à un moment donné, il y a le déclic. Il y a le déclic de où on est plus utile. Et ça m'a incité à revenir au Sénégal. Bakary Kore worked at a state-owned bank in France. Then, he had the idea of bringing e-motorbikes to Senegal. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec nos motos? Je vais livrer avec cette moto. Tu veux faire de la livraison? C'est une activité qui marche bien à Dakar. Hein? Mm. D'accord. Tu livres quoi en général? Des pizzas, des courriers et tout. Donc nous, notre moto, elle est très adaptée à l'Afrique. Et surtout, elle est électrique. Mm-hmm. Parce que l'enjeu, c'est l'énergie. Elle a de l'autonomie, cette moto-là? Oui, elle a de l'autonomie. Une batterie pleine peut tenir 140 km. Donc là, tu ouvres la batterie, elle prend deux batteries, mm-hmm. tu mets la batterie dedans. Et ces batteries-là, une fois qu'elles sont vides, tu viens les échanger ici. On a des bornes de batterie. Donc ces bornes-là seront placées un peu partout à Dakar. Yeah. Ce seront des boutiques à batterie. Donc tu vas venir chaque fois que tu auras besoin, tu vas badger. Comme ça, on va lire que c'est bien toi, Serine, qui fait ton échange de batterie. Et tu viens, tu remplaces ta batterie, tu mets la vieille, tu la remets, tu la branches et tu prends une nouvelle. Voilà, d'accord? Donc, c'est un système qu'on appelle SWAP. Donc, ça permet d'être autonome. Avec 6 000 francs CFA par jour, vous avez tout inclus. La moto, l'entretien de la moto et la recharge gratuite 24 heures sur 24. Donc, un kilométrage illimité. Et on vous offre l'assurance de la moto et l'assurance santé pour toi, ta femme et deux de tes enfants. C'est le package complet qu'on vous met pour que vous puissiez travailler sereinement. C'est intéressant. Hein? Oui, c'est une offre unique en Afrique de l'Ouest. With the help of Dutch investors, Bakary has set up his workshops on the former site of the Municipal Exhibition Park. In 3 years, he wants to produce 50,000 e-motorbikes made in Dakar, which will then be used all over West Africa. À Little Wigo, nous avons décidé d'avoir des équipes mixtes pour l'atelier de montage. C'était une volonté de notre part d'avoir une entreprise qui travaille sur l'égalité homme-femme. Et on va continuer à faire ce type de recrutement dans le temps. Et cet impact social peut transformer la société. On est dans des sociétés qui bougent. D'ici 2030, 70% des emplois qui vont se créer, on ne les connaît pas encore. Donc, on a besoin de rêver ici en Afrique et de rêver en Afrique et pour l'Afrique. Et nous, nous voulons contribuer à rendre ce rêve une réalité. Résoudre à tous les conducteurs de taxi-moto. La compagnie Bob est là. Carcasse, Kaolack, Sénégal. Il est temps qu'on soit conscient. Réveillez-vous, il est temps. La jeunesse, il est temps. It is time to be a war. This dream for Senegal is bringing new hope to the country. Bakary, Komba, Ibrahima, and others coming back to their roots want to make a difference in Africa. They may be just a few hundred, but they are enough to be moving Dakar and Senegal forward. La jeunesse, il est temps.